Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 dans laquelle on va parler des news à venir prochainement. Donc la fête des âmes perdues est finie depuis il y a environ une semaine et déjà le DLC de la prochaine saison est au cœur de toutes les discussions. Alors DLC ou mage, appelez-le comme vous voulez. Alors pour origine de toutes ces rumeurs, il s'agit d'une annonce qui a été faite par Bungie dans son tout dernier bulletin, le This Week at Bungie, donc sur son site officiel, contenant des révélations à venir pour le 27 novembre, donc notamment la nouvelle feuille de route et un nouveau VDOC. Alors ces éléments, ils vont concerner le pass annuel, donc ce fameux pass à 35€ qui contiennent 3 mages ou 3 DLC importants qui devraient sortir en hiver 2018, puis au printemps et en été 2019. Donc ce pass annuel, il comporte donc un premier DLC qui se nommerait Arsenal Sombre ou Black Armory, et donc on a eu quelques infos au sujet de son contenu, mais l'essentiel et le plus officiel bien sûr de toutes ces informations devrait donc nous être donné le 27 novembre prochain. Donc ce DLC, on sait qu'il sort le 4 décembre et qu'il est en gros le point de départ de la saison 5, il marque la fin de la saison 4 et le début de la saison 5 le 4 décembre prochain, qui durerait donc jusqu'au 4 mars prochain. Donc c'est la saison dite de la Forge et cette saison elle est liée à l'Arsenal Sombre, elle nous donnerait donc accès à quelque chose qui se nomme l'Arsenal Sombre, donc on ne sait pas encore si c'est un événement ou s'il s'agit d'un endroit. Pour le moment on n'a pas d'informations, on sait juste qu'il y aura une nouvelle activité qui se nomme la Forge de la chaîne, on n'en sait pas plus malheureusement. On sait également qu'avec ce DLC, nous serons livrés de nouveaux items, dont des armes exotiques, de nouvelles quêtes, de nouveaux triomphes et un nouveau raid ou entre deux raids. Là encore, on n'a pas de précision sur le type de raid en particulier. Donc on ne sait pas pour le moment s'il s'agit d'un entre ou s'il s'agit d'un tout nouveau raid, pas d'informations là encore. Donc toutes ces infos, elles restent très vagues et très généralistes, et comme je vous l'ai dit, on en saura vraiment beaucoup plus et de façon bien plus officielle le 27 novembre prochain à l'occasion des révélations qui nous seront faites par Bungie. Donc pour rappel, la bannière de fer est actuellement en cours, il s'agit donc de la dernière de la saison 4 et elle va finir le 20 novembre prochain, donc n'hésitez pas à en profiter. Et il faut savoir qu'avec la fin de la saison 4 et le début de la saison 5, certains triomphes qui sont liés aux rangs de faction notamment ne seront plus accessibles, comme par exemple les rangs de l'avant-garde saisonnier ou encore les rangs de courage et le rang de gloire pour l'épreuve. Donc n'hésitez pas également de la même manière pour les rangs de nuit noire, d'infamie ou les triomphes, à essayer de terminer tout ce que vous avez à finir avant le 27 novembre prochain. Concernant par exemple les triomphes, il y a certaines étapes de quête qui nécessitent de terminer des objectifs en une seule saison. Ça va être le cas par exemple de certaines quêtes d'armes comme le Hurlement de Luna ou le Jamais Oublié qui sont liées à des rangs de faction, et ces rangs seront bien évidemment remis à zéro avec la nouvelle saison. Donc pour tous ceux qui seraient intéressés par ces armes, eh bien vous avez jusqu'au 27 pour essayer de les obtenir. De la même manière, tous les triomphes qui comportent le nom saison 4 dans le titre expireront et seront retirés au début de la saison de la Forge, donc à la saison 5. Donc c'est encore une fois l'occasion de finir tout ça. Après, les armes seront disponibles toujours par exemple dans le jeu, mais il faudra recommencer totalement vos rangs de faction. Également dans la même optique, vous avez Everversum, donc les joueurs auront jusqu'au 27 novembre là encore pour échanger toutes leurs facettes prismatiques acquises à l'occasion des contrats hebdomadaires, après quoi elles seront elles aussi remises à zéro. Enfin, je vous ai parlé ce matin dans une vidéo de la quête du Maître du Tonnerre, donc il faut savoir que cette quête également ne sera disponible que jusqu'au 27 novembre, puisque la quête du Cryptarque va disparaître à la fin de la saison 4, donc après cette date, l'arme sera toujours disponible, mais elle sera intégrée directement aux engrammes exotiques, et le Cosmodrome qui est lié à la quête du Cryptarque ne sera plus quant à lui accessible, donc essayez de profiter quand même jusqu'au 27 pour aller revoir un petit peu et refaire un petit tour du côté du Cosmodrome. Sachez également pour ceux qui ne le savent pas qu'il y a un accès à un t-shirt disponible dans la boutique de Bungie, la boutique officielle, que vous pouvez débloquer en ayant terminé cette quête. Donc pour ceux que les goodies intéressent, eh bien c'est l'occasion ou jamais d'essayer de débloquer tout ça avant le 27 là encore. Alors toujours dans l'optique de préparer la fin de la saison et le début de la prochaine saison 5, il faut savoir que les points d'infamie en Gambie seront doublés, voire triplés du 20 au 27 novembre prochain. Donc pour tous ceux qui sont fans de ce mode de jeu ou qui ont encore quelques triomphes à accomplir, et bien là encore, c'est le moment ou jamais d'en profiter.
Et deux dernières infos également, sachez que Bungie a de nouveau ramené dans le jeu son fameux Refare a Friend, donc c'est le fameux parrainage dans le jeu, donc qui est actif depuis peu et qui vous permet de mettre à l'honneur un second joueur et de jouer en escouade de deux. Et enfin, la dernière info, c'est tout simplement une info concernant des propos qu'aurait tenu Luke Smith, que je tenais à vous rapporter concernant un petit peu la situation du jeu. Pour tous les fans de la licence, c'est toujours important de savoir un petit peu où en est Destiny dans l'univers des jeux vidéo. Donc il faut savoir que dernièrement s'était tenue la dernière conférence financière d'Activision, et Cody Jensen à cette occasion avait déclaré qu'Activision n'était pas satisfait des résultats de son DLC Renegade. Et bien il faut savoir que Luke Smith de chez Bungie déclare tout le contraire et déclare œuvrer pour l'intérêt et la satisfaction des joueurs de Destiny, qu'il en est donc très content et loin d'être déçu, et que toute l'équipe de Bungie concentrera ses efforts à l'avenir quant à la satisfaction des joueurs. Donc c'est vraiment deux points de vue opposés, deux points de vue différents, et c'est pour vous dire que Bungie, en tout cas en ce qui les concerne, ne sont absolument pas déçus de la licence et voient même les choses de façon plutôt positive pour l'avenir. Donc pour le moment, c'est toutes les infos que nous ayons. Encore une fois, je le rappelle, on aura vraiment des news beaucoup plus constructives et beaucoup plus complètes et surtout officielles même le 27 novembre prochain à l'occasion d'une nouvelle feuille de route et d'un nouveau VDOC. Donc restez connectés, il y a des news à venir sur Destiny très très prochainement. D'ici là, geekz bien, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde!